Monsieur, dames, et la famille, la société, bonjour, bonsoir, et pour nous toutes, je dis, c'est lundi, et nous vivons lundi 1er juillet 2024, c'est toujours merci, Dieu n'a mis quoi pour informer, et moi, pour faire une transmission journal, et méga matin, je nous toutes, nous déjà connaissons, méga, c'est Pigo Réseau Radio Haïtien, sur la terre bénie, avec staff nouvelle là, information yo, sous pays d'Haïti. Écoutez, Radio Méga, Go Radio 1, l'IFES 5. Depuis Studio Pétionville, nous invitons à écouter Méga Matin. Premier journal, la Radio Méga qui passe sur réseau Radio Méga dans toute ville Haïti, en même temps dans sud Floride là, dans États-Unis. Bonsoir tout le monde, bienvenue sur Antenne Radio Méga, lundi 1er juillet 2024. Nous comptons rentrer la caillou pour nous capables de porter pour vous un premier paraître journal là pour ce matin, mais tout pour un mois juillet. Déjà, Nabzo, bon mois, information sous Antenne Radio Méga. C'est toute équipe là qui est mobilisée pour capable de porter pour journal ça. Marcel Joseph, c'est lui-même qui a viré bouton et au micro-présentation. Moi-même, Jean William. Sévère avec Daniel Daniel. Bonjour, bonsoir à tout le monde. Bienvenue sur Antenne Radio Méga. Toute équipe là très content. Ça m'a avec vous matin. Mais quelques principales informations n'a bien pour nous développer pour dans le jour dans la matin. Après plusieurs temps, combat bandit pour contrôle commissariat agressif hier dimanche là sur réseaux sociaux. Yo, t'es capable de constater images, messieurs, yo, devant un commissariat. Et puis, c'est depuis quelques un bandit établi quand il y a dans la commune Gressier, Cafou, un rapport, il mettait des plateformes haïtiennes pour progrès droit monde, parler des 75 monde qui mourit pour seulement la commune Cafou, sorti 9 février pour arriver 27 juin 2024. Là. Après, l'autre dossier n'a pas pour nous porter pour notre journal, la direction générale police a fait plusieurs changements dans l'institution pendant le week-end. Conseiller Gilbert arrivé dans la tête DDO1, Xavier Seyid a pris tête direction départementale de tout direction générale police là, il fait plusieurs changements ben dans institution d'après responsable là. Et puis gagné bloc progressiste opposition yo annoncé a pas su avec un pile attention mission Kenya capable toucher quatre fois l'agent policier yo étranger yo te déjà commencé à faire travail pour Kobla sinon ben avant longtemps population a pas levé et contre yo selon élan en Wilner. Premier ministre Gary Conny était rencontré au état-major l'abbé vendredi. Il a regardé comment FADH et la police là capable de mettre tête ensemble pour capable travailler ensemble pour combattre un gang. Après rencontre, si la premier ministre là quitté pays pour aller Washington à New York, il y a avec lui diverses personnalités dans le gouvernement, parmi eux ministre des Affaires étrangères madame Dominique Dupuis. Économiste Diarmil qui croit en sécurité de résoudre rapide pour la vie économique à retourner dans le pays. Un bel discours photo pas suffit transition de passer en action notable cité économiste et Diarmil. On a noté des plateforme politique résistance démocratique là. Lancé appel par le gouvernement KPT à suspendre faire spectacle. Fait aussi tout dans ça qui est pour avec gros décision l'État. Yo, d'après yo, MMD, l'État prend responsabilité pour sortir pays dans sa liée journée aujourd'hui. Ah, c'est pour ça yo, diverses les autres qui peuvent faire essentiel journal la matin. Amis auditeurs, mais pas oublier, j'en ai toujours fait ça chaque matin. Je pour côté pour diverses rubriques, notamment week capsule santé à traverser. On connaît combien de besoin pour Capabachon. L'Amérique. Non, mon ami auditeur, arrêtez branché, Naptoune. Sécurité. Côté, yon l'autre fois, bandit, yon repren contrôle, commissariat, commune, Grissier, n'a pas appelé commune, qui a déjà subi plusieurs attaques à bandit, et notamment commissariat, gang, exam, repren contrôle, yon l'autre fois, commissariat, Grissier, y a dimanche, là, malfois, yon l'autre fois, prend d'assaut, commissariat, Grissier, d'après un sous-policier qui t'est parlé avec équipe Juno 7, là, sans pas bail trop de détails.
plusieurs informations fait quoi agent de l'ordre qui était présent était obligé courir quitter espace là suite avec attaque nèg exam une vidéo qui diffusé sur réseaux sociaux montré bandi qui a préjuis Zaxi là pour qu'on est à la police nationale là pour qu'on prononcer le soit attaque ça l'important pour noter Zaxi bandi vini alors que policier Kenya était présent en Haïti assaut ça rappelé événement vendredi 10 mai passé lorsque groupe armé était déjà attaqué commune Grecia dans occasion ça était même commissariat d'assaut mettait diffé dans plusieurs machines et puis si même panique parmi habitants yo amis auditeurs dans cadre dossier c'est en tout cas n'attend autorité policière yo qui ça a dit sous un nouvel attaque ça commissariat Grecia a subi n'a pas toujours été le même dossier ça n'a pas venu avec Jackson Pierre Noël il parlait sous enquête yo menen mais plateforme haïtienne pour progrès droit moun dans rapport enquête yo menen sorti 9 février pour 27 juin 2024 là sous situation droit monde pour commune Kafou agressé fait connait 13 section communale Kafouyo en bas contrôle gang yo qui déjà assassiné 75 monde pendant période ça il y a 17 là d'ailleurs qui décapité sans compter sac boulé ben dans ça sous pile zone tankou sous Corosol rivière Frade c'est zone ça yo crime ça yo fait d'après Jackson Pierre Noël lui même qui fait connait jusqu'à présent pas gagné un grain policier dans commune Kafou n'a pas écouté Jackson Pierre Noël dans micro Jean-Philippe Massé. Maintenant PNPDH nous menons enquête sorti 9 février 2024 pour arriver 27 juin 2024 là pour nous regarder comment situation doit monnaie pour commune Kafou et commune Grecier qui de entrée en métropolitaine. Nous la situation doit monnaie lit totalement banalisée. Et nous connaissons que pour le département de l'Ouest un total de 90 qui contrôlé par les gangs armés. Dès le début, nous avons quitté la zone en bas de la ville pour insécurité à Kafou. Et bien, je veux dire, Kafou n'a pas de présence de la police. Kafou a fait des 13 sections communales. Toutes les 13 sections sont contrôlées par les gangs armés. Et bien, comment ça y est? Il y a un total de 75 personnes qui mourent pour la commune Kafou. C'est ça, PNPDH, où est censé sortir 9 février 2024 là, pour arriver 27 juin. Nous avons 17 personnes qui sont capables de dire qu'ils ont décapité. Gain 28 officiers, 19 brûlés, 6 et c'est avec coup de manchette, on capable dire que yo tué yo. Gain 5 là-dedans yo lapidé yo. Maintenant zone crime ça au plus fait, c'est zone Bois d'Out et zone Sousco au sol, zone et rivière froide, zone des Michel et zone Sapoti qui fait partie toujours de commune Carrefour. Mais commune nom nous capable dire que et section qui recule yo, donc zone Poissy, zone Laval, zone Malangayo, zone Sayo, c'est gang qui a fait la loi là-dedans depuis quelque temps. Parce que, présence Kazek qui n'a pas représenté en rien, zone Sayo, machine va arriver, c'est la police pas qu'à présent là du tout, c'est que c'est gang armé yo, qui pose loi, j'en ouvre. Même j'ai dit, c'est en bas, faut qu'on a là, quel que soit le monde qui a passé, faut, début offri, faut qu'on paye. C'est que situation est vraiment compliquée pour mon Carrefour. Et pour commune Grecier, il y a un total de 6 personnes qui étaient mortes. OK? Mais mon qui mourir, c'est les chars tirés avec bandits, ils recevaient balle. Il y a 4 garçons, 2 filles avec un enfant. 2 filles, ça a été recevoir balle du côté de Saint-Antoine. Après ça, nous avons pour total et blessés pour 2 communes, nous avons 18 personnes qui blessés pour 2 communes. Il y a 9 garçons, 6 filles, 3 enfants. Après ça, il y a un total de 28 et cailles, nous sommes capables de tout brûler. OK, pour les 2 communes. Et quand ça yo parmi yo nous gagne sous commissariat de rivière froide là, nèg yo mettait une différente partie là-dedans. Après ça, yo fait affaire par yo en dedans, yo fait et yo tout installé dans zone ça directement. Après ça, bon total de 13 motocyclettes qui et bandi yo prend du fait là-dedans. Et gagne 43 machines et nous capable dire que yo crasé, yo brûlé tout. Gain deux tiers de maisons qui abandonné, c'est que Kaisayo yo pas gain moun là-dedans et pour commune Kafou et commune Grecier c'est que gain plus kay qui pas gain moun là-dedans que kay qui gain moun. Et après ça matériel la police qui brûlé, gain yon blindé PNH là qui brûlé du côté de Grecier. Après ça gain nous gagnons de l'autre véhicule de la police qui était brûlé en cours. Après ça, et...
Voilà, on t'a écouté Jackson Pierre Noël, ami auditeur, qui t'a parlé sous situation qui gagnait dans la commune Gressier côté insécurité établie colla à dépit et quelques temps, ami auditeur, pendant on a parlé de questions insécurité on connaît un nouveau directeur général qui prend tête institution policière là quelques jours après il prend tête institution gagne des changements qui fait dans institution. Commissaire divisionnaire Julbert conseiller Xavier et Seyid yo installé respectivement comme nouveau directeur départemental Ouest 1 et l'Ouest 2 qui donc commissaire divisionnaire Julbert conseiller installé comme nouveau directeur départemental Ouest 1 Xavier Seyid installé comme nouveau directeur départemental Ouest 2 d'après institution en note sur réseau social le inspecteur général Payo Smith sous directeur général IPNH la Ramon Orville qui était procédé à l'installation de nouveau directeur départemental Sayo samedi. C'est bon installation qui est déroulée en présence policier Tourin à grade. L'entrée dans le cadre changement commandant nouveau DGPNH là, Julbert conseiller remplacé dans poste à commissaire divisionnaire Cantave Yvon. Quentin Xavier Seyid, le même remplacé commissaire principal Roger Lamatinière. Roger Lamatinière à Cantave Yvon, il a transféré dans le cabinet directeur général à IPNH là, en l'occurrence Ramon Orville. On toujours sur Antenne Radio Mega n'a pas continué avec nouvelle yo sou Pigou réseau n'a pas toujours été avec Jackson Pierre Noël nouvelle là donc l'autre côté Jackson Pierre Noël révélé gagner 5 postes péage qui sous commune Cafou agressé côté bandi a pas touché l'argent mais citoyen yo dans Mariani citoyen a monté le ciel pas d'eau ben sous pression yo pas qu'à quitter zone là pendant jeune fille yo a victime qui a déjà comme proposition ben NDPH mandé autorité yo mette à quelle force multinationale là pour éliminer cause gang ça dans pays ya. Jackson Pierre Noël pour en termes de monde qui perd du bagage yo il y a plusieurs monde qui perd du marchandise yo dans zone ça yo les yo passé avec camion yo bandi yo saisi au niveau des postes péage gain un total 5 postes péage qui basé sous commune Carrefour et commune Gressier nous gain un poste péage qui est directement dans commune Gressier, bon soleil antillais. Après ça, gagne un poste péage encore dans Merger, gagne un dans Bicinq et gagne un Mariani et gagne un bon cimetière de Carrefour qui contrôlé par les caravanes. Et ben PNPDH pour et trouver situation vraiment difficile parce que zone ça yo et présence la police là li aucun pas là du tout. Et c'est gang yo qui fait ça yo vle, yo agit jan yo vle, yo pose loi jan yo vle, gon série de zones, et surtout dans Carrefour, yo dit que depuis deux moun goumen, yo ap arrêté yo, moun sa yo gen amande ki ap paye. Ou baton ti moun, c'est que gen amande ou ap paye. C'est que tout ti zone yo, c'est gang qui contrôle yo. Après ça, pour Mariani. Mariani, nèg yo prend plaisir, yo prend jeune ti demoiselle yo monte avec yo nan base yo, et yo fait créer ensemble avec yo. Après ça, yo fait ti moun yo les parents yo, et fait qu'on est qui a bien passé avec bandi. C'est que zone ça yo m capable dire que yo vinn vraiment impraticable. C'est que moun ki rete dans zone yo c'est moun qui pas capable avec moun qui choisit rete même côté avec gang armé. C'est que gang yo pose action les yo vle, yo agit les yo vle. C'est ça que nous même dans PNPDH nous recommander avec autorité yo puis faire ça tout ça dépend yo même puis capable et pour zone capable de présence la police là de surtout nous force entrer là pour capable essayer prendre contrôle zone ça parce que gang armé a fait mon monter chez le bado parce que c'est eux même qui chef dans zone yo c'est eux même qui fait bon qui pour faire ça ouvrir et bien nous même en tant que des forces de monde nous dit que PNPDH pas qu'à accepter ça qui passé là comme ça après ça nous besoin et pour au niveau de l'école tout dans zone ça yo et gain 85% l'école est dans pour commune Gressier qui sous contrôle gang armé pour Carrefour dont total de 70% l'école qui a fonctionné à ralenti c'est que zone ça yo et pas gain l'hôpital qui a fonctionné et si que on moun gain un problème ou pas gain côté pour aller prendre soin situation est vraiment difficile pour commune Carrefour et commune Gressier qui fait partie de entrée
région métropolitaine. Voilà, amis auditeurs, c'était Jackson Pierre Noël qui s'est une responsable plateforme haïtienne pour progrès droit monde. Dans un rapport enquête qui a mené sur le 9 février pour le 27 juin sur la situation droit monde pour commune Cafou agressif et qu'on est 13 sections communales Cafou. On va contrôler le gang qui a déjà assassiné 75 monde pendant la période ça. Et on t'écoute Lyon l'autre fois encore quand elle révélait qu'il y a 5 postes à péage qui sous commune Cafou agressé côté bandio a touché l'agent dans la même machine qui a passé au ça qui obligé chauffeur yo augmenté prix coûtio amis auditeurs et Jean Notera ba information ça n'a pas plus ça des changements qui fait dans tête quelques directions départementales notamment direction départementale ouest 1 à 2 commissaire divisionnaire Xavier Seyd installé samedi comme directeur départemental police ouest 2 il remplacé dans poste à Roger la matinière Xavier Seyd dans ses responsables CBIM qui était touillé plusieurs membres gang Timakak pendant attaque la caille dans Pétionville mois mars 2023 internet yo te salier gagné Jean Nondoulan un changement sa yo qui fait nan tête direction départementale l'ouest 1 ak direction départementale l'ouest 2 nan cadre changement qui a fait surtout avec nouveau venu avec yon nouveau directeur directeur PNH là n'a continuer avec information yo nan journal là vient avec Premier ministre Gary Kone qui a quitté pays depuis week-end là les États-Unis a passé plusieurs jours États-Unis pendant le gain pour arriver États-Unis pendant arriver États-Unis il y a plusieurs rencontres qui a fait Premier ministre Gary Kone qui était à capitale là un week-end passé à vendredi pour aller États-Unis chef gouvernement gain avec lui ministre économie et finance planification coopération externe madame Marie Kitlen Floristal, ministre des Affaires étrangères, culte haïtien, qui vivent à l'étranger, madame Dominique Dupuis, avec le directeur Kabinelli, monsieur Nesmi Maniga, pendant ces jolies délégations, délégation, ça qui gagne en tête, le premier ministre Gary Kone, a gagné pile rencontre travail avec diverses personnalités, notamment plusieurs responsables institutions financières internationales, l'a gagné tout pour le visiter, inspection, alors, gagné pour le faire en inspection, l'ambassade d'Haïti. Dans Washington, en absence du Premier ministre, l'intérim, c'est ministre Justice et Sécurité publique, M. Carlos Ecuil, qui a pas su. N'a pas venu avec Elian Wilner, lui-même, qui parlait sous dossier Force Lab, qui n'a pas pays à bloc progressiste opposition, fait qu'on n'a pas veillé mission kenyan qui était de commencer le travail pour débloquer route nationale. Yo, policier Sayo a pas touché plus l'argent, passé policier haïtien. Donc après un mois, citoyens veulent camper contre eux si ils n'ont pas commencé par résultat. Elian Wilner continue à exiger augmentation salaire policiers haïtiens 50 000 gouttes. Elian Wilner. Policiers kenyans, ça nous fait jeudi à la, nous obligés à demander au autre pays pour voir les policiers pour venir sauver nous parce que malgré la trop pour nous. Mais nous même position pas nous. Nous prenons acte que M. Kenya est venu. Est-ce que nous-mêmes en proposition de garder nous pour nous compte, nous-mêmes nous dit n'a pas suivre des machins. Mais n'a pas calé genoux sur une bagaille pour nous faire comprendre ça. Qu'il y a 1000 policiers qui sont devenus, des 400 vignes. Vous voyez, la caille nous. La police nous a 29 ans, il est tout tourné, il n'a pas d'équipement, les policiers mal touché, pas d'efficacité. Chaque policier qui est la caille, il a touché 350 dollars américains. Salaire. Pendant que vous ici dans le pays, chaque soldat qui a gagné 1500 dollars américains dans le poche. Ça veut dire que le gouvernement a gagné 2500 dollars sur chaque tête policier, 1000 dollars après dans le pays la caillou, il y a 1500 dollars après dans le poche policier, chaque policier qui a venu, mais il a continué à toucher ça, il a touché la caillou à 350 dollars américains. Alors que les policiers en Haïti, il a touché moins que 250 dollars américains chaque. Et parfois, on ne peut pas payer à 3 mois, on va même. Je m'appelle. Les policiers haïtiens n'ont pas frustré. Les policiers ont demandé 50 000 gouttes de salaire de base. Ils ont demandé pour augmenter 4 débits aux policiers. Nous disons, les policiers ont allé en opération, il faut balancer les primes de risque, augmenter les primes de risque. Parce que les primes de risque, soldats kenyans, c'est de 300 dollars américains. Ça veut dire, comme les policiers ont touché, c'est les services primes de risque pour les soldats kenyans. Ça veut dire, pas maintenant, c'est nous. Ces services sont venus à nous. Ils sont venus faire une portée économique. Comme ils sont là, nous allons dire un job pour eux.
Parce que nous ne pouvons pas tolérer que vous venez là, nous avons un mois là, nous avons un grand écran. C'est comme quoi c'est notre touriste qui est venu. Nous avons veillé en haut, nous avons veillé en bas, nous avons été vigilants. Parce que à partir de moi, quand vous venez, vous commencez à toucher. Donc si on commence à toucher, pour ça, vous venez, vous commencez à réopérer. Vous pouvez commencer à mettre sécurité dans le pays. Vous pouvez mettre notre femme, vous mettez pieds, puis elle débouche Matisse. Puis elle tout côté qui débouche pour le peuple à Casse-Lille. Automatiquement, nous avons fait ça, ça va faire d'appeler fait camper. Si on va passer ça, ça va faire. Si on va passer ça, ça va faire.